description de la terre dans le Coran et telle qu'elle est décrite? Alors, on répète une réponse qu'on a l'habitude, entre guillemets, de donner quand cette question vient, à savoir tout ce qui touche aux notions scientifiques qui sont abordées dans le Coran. On répète que le Coran n'a pas pour vocation à être un manuel de science et vie de la terre. Le Coran n'a pas pour vocation, en soi, par définition, à être un livre ou un ouvrage scientifique. Même si, évidemment, on sait que toutes les sciences se rassemblent dans le Coran et se résument dans le Coran, comme Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu disait, Jami'ul ilmi fil Coran, lakin taqasaru anhu afhamu rijali. Toutes les sciences se retrouvent dans le Coran, mais c'est les esprits des gens qui sont trop faibles pour les déceler. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait des indications, et le Coran n'a pas pour but d'être aussi trivial et aussi banal qu'un manuel qui recense simplement des faits scientifiques. Le Coran est beaucoup plus profond que cela. Et donc, quand on comprend cela, on comprend que les réalités qui sont évoquées dans le Coran, les réalités scientifiques, les réalités astronomiques, etc., ce sont des réalités qui sont pour l'essentiel d'entre elles accessibles pour la personne et qui parlent du référentiel de la personne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'aplanir la terre, par exemple, il parle du référentiel de la personne. Et c'est d'autant plus un miracle d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le fait que la terre est ronde dans d'autres versets, comme on disait de manière subtile, Allah subhanahu wa ta'ala, il entoure de la nuit du jour et le jour de la nuit. Donc cette notion-là d'orbe, en parlant de la terre. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait d'avoir aplani pour nous la terre, justement, le miracle, c'est que dans notre référentiel à nous, on voit la terre comme étant plate, alors que ce n'est pas un objet plat. Donc, dans notre référentiel à nous, on voit la terre qui est plate, on voit le soleil se coucher, alors qu'on sait que le soleil, entre guillemets, ne se couche pas. Le soleil, il ne fait que disparaître de notre champ de vision. Lorsqu'il se cache pour nous derrière l'horizon, c'est juste parce qu'avec la révolution et le tour de la terre, eh bien, il couvre une autre phase de la Terre et de notre point de vue, il nous est caché. Mais le soleil ne se couche pas en soi. Vous voyez? Donc tout ce qui est évoqué dans le Coran et dans les hadiths à ce sujet-là, ça nous parle de notre référentiel à nous, qui, en marchant sur la Terre, observons ce qu'il y a autour de nous comme créature.